regorge de noms et des dates qui ont forgé l'histoire. Mais les concerts collectifs, l'hérétique et les victoires, et tous les braves gens qui ont fait couler les sangs pour de justes causes, en graissant des dents face au désespoir. Mais les traîtres et les lâches cachés dans l'ombre du bim sont aussi élevés au plus haut sommet de la honte et du vice, nous menant souvent au bord du précipice, directement du fleuve de mort. Voici un cafard né entre la soie et l'or. Alcibiade, traite rapace, capable de tourner le dos même à sa race. Alcibiade, traite rapace, vendrait même sa mère pour sauver sa pauvre chère. Alcibiade, traite rapace, capable de tourner le dos même à sa race. Alcibiade, traite rapace, vendrait même sa mère pour sauver sa pauvre chère. Pour sauver sa pauvre chère. Le jour, il cherchait la gloire en faisant la guerre. Le soir, il débauchait parmi les vulgaires. C'est ainsi qu'une nuit, il trouva sa nuit. Appelé au jugement par ses pères, il préféra s'enfuir en rampant de l'une vipère. Sparte, la fière, l'accueillit les bras grands ouverts, et il la remercia avec les pierres de sa adultère. Avec peu de scrupules, il séduit la reine Timaya, et la colère du roi se fit entendre jusqu'à l'Himalaya. Alcibiade, traite rapace, capable de tourner le dos même à sa race. Alcibiade, traite rapace, vendrait même sa mère pour sauver sa pauvre chère. Alcibiade, traite rapace, capable de tourner le dos même à sa race. Alcibiade, traite rapace, vendrait même sa mère pour sauver sa pauvre chère. Pour sauver sa pauvre chère. Une fois de plus, il déguerpit, ne sachant pas où s'enterrer. Il trouva refuge chez les Perses, Tissaferne, chez qui il resta un an à comploter pour retourner à sa cité et renverser la démocratie pour restaurer l'oligarchie qui, ainsi placée, permettrait son retour dans sa patrie. Pour une fois, son plan aboutit et son coup d'état réussit. Mais le karma le rattrapa. Le peuple se rappela, on lui retira ses droits. Banni à vie, personne pour garantir sa survie. L'armée spartiate vint et l'Oxy. Bien qu'il aurait voulu qu'on l'oublie, nous nous chargerons de combattre l'armée. Tous se rappellent de lui.